vous venez de vous brancher, je vous rappelle que vous êtes sur la Télévision nationale d'Haïti et vous suivez votre émission matinale Maté Magazine. Nous venons d'entrer de plein pied dans l'espace invité de Maté Magazine et nous accueillons aujourd'hui Raphaël Brigandi, qui lui-même est chargé des affaires politiques et des relations avec la presse de la délégation de l'Union européenne en Haïti, à qui je dis bonjour et bienvenue de Maté Magazine. Merci beaucoup, bonjour Lucien. Bonjour Lucien. Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques et des relations avec la presse de l'Union européenne, qui depuis le 12 janvier, on a remarqué une présence constante sur le pays. Parlez-nous un petit peu des actions de l'Union européenne en Haïti, surtout au début de l'année 2014. Alors effectivement, comme vous le dites, l'Union européenne est présente fortement depuis le terrible séisme de 2010 dans le pays, mais en réalité notre présence est plus longue, ça fait environ 20 ans que l'Union européenne est présente de façon permanente ici en Haïti pour appuyer l'État haïtien, pour accompagner le pays dans son développement. Donc nous sommes un partenaire de développement, un partenaire important, un ami d'Haïti, et nous mettons en œuvre des projets d'aide humanitaire et surtout de coopération au développement dans différents secteurs, comme la sécurité alimentaire, comme le renforcement de la gouvernance, l'appui à l'État, les infrastructures, le développement et l'aménagement de quartiers. Donc nous avons toute une palette d'actions à travers laquelle nous accompagnons l'État haïtien et le peuple haïtien dans son développement. Normalement, votre visite à Maté Magazine, à la Télévision nationale d'Haïti, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Europe. Notamment, vous allez organiser un concours sur... Donc, les plaidoiries sur le thème des droits de l'homme, donc une activité que j'estime intéressante, tout sachant que la question des droits de l'homme, c'est une question d'actualité, et notamment, il y a plusieurs aspects de la question des droits de l'homme, dont droit de l'éducation, la liberté d'expression, ce sont des thèmes qui ne cessent de faire parler, et qui ne cessent de faire la une de l'actualité. Donc, pourquoi, d'où vient cette idée? Parce que fêter ou encore célébrer la Semaine de l'Europe, ça peut donner occasion, encore ça peut faire l'objet d'autres activités. Pourquoi vous comptez organiser cette activité? Alors effectivement, l'activité, le concours de plaidoirie que nous allons lancer maintenant, s'inscrit, comme vous le rappelez, comme vous le soulignez, dans un cadre plus large qu'est la Semaine de l'Europe, sachant que le 9 mai est la journée... la fête de l'Europe, la journée officielle de la fête de l'Europe, le 9 mai, on fête un peu partout en Europe, et que depuis plusieurs années, nous avons le plaisir ici, avec la délégation de l'Union européenne, d'organiser avec nos partenaires, qui sont aussi les autres États membres, les pays de l'Union européenne qui sont présents en Haïti. Donc c'est l'occasion pour nous d'organiser une série d'activités festives, mais aussi pédagogiques, autour de la question de l'Europe et de la coopération de l'Europe avec Haïti. Alors cette année, une des activités, c'est effectivement le concours de plaidoirie. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, d'abord, je veux mettre en évidence que c'est un partenariat avec le lycée Alexandre Dumas, avec la France, qui, au fait, a eu cette idée. Nous voulions faire une activité qui implique les jeunes. Et donc, avec le lycée, nous sommes mis autour de la table et nous avons décidé d'organiser ce concours de plaidoirie. Alors, vous l'avez indiqué, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour des jeunes. Et en réalité, nous ciblons ici... des élèves des classes de seconde de rhétorique et de philosophie du système haïtien de toutes les écoles de la zone métropolitaine qui peuvent participer. Donc on invite ces élèves à produire un texte dont la durée en déclamation ne doit pas dépasser 5 minutes, à travers duquel ils vont aborder un thème lié aux droits de l'homme. Et vous l'avez dit, c'est extrêmement large, tous les thèmes peuvent être abordés. Alors, la raison pour laquelle on a choisi les droits de l'homme, parce que effectivement c'est un sujet d'actualité brûlante, mais c'est aussi au cœur véritablement des principes et des valeurs qui ont fondé tant l'Union européenne que Haïti. Donc, nous savons évidemment que Haïti, votre pays, est né par l'affirmation première, je dirais, du premier principe des droits de l'homme, l'affirmation de la liberté contre l'esclavage. L'Union européenne aussi a véritablement au cœur de son projet la solidarité et les droits de l'homme. D'ailleurs, nous appuyons aussi les droits de l'homme ici en Haïti à travers un instrument spécifique, à travers des projets spécifiques où on aide aussi les organisations de la société civile haïtienne, par exemple. Et donc, le principe
toutes les écoles de la zone métropolitaine peuvent participer. C'est 3 candidatures maximum par école. Ensuite, à partir des textes que nous allons recevoir, nous allons en présélectionner 10 qui seront invités à un événement où ces jeunes vont faire la plaidoirie eux-mêmes en direct. Et ensuite, il y aura 3 gagnants. Mais vous n'avez pas de thème particulier, de thème de préférence que vous auriez plutôt préféré que les jeunes se penchent dessus, non? C'est n'importe des thèmes. Oui, rapport au droit de l'homme, droit de l'homme, n'importe quoi. Le droit à l'éducation, respect des droits de l'enfant, des droits de femme. N'importe. Tout à fait. C'est véritablement, on a décidé que c'était plus pertinent, que c'était intéressant de donner véritablement une page blanche, un espace d'expression aux élèves, aux jeunes, et voir quel est le sujet qui leur tient à cœur. Ça peut concerner Haïti, ça peut concerner d'autres pays du monde, ça peut être à l'échelle mondiale, c'est effectivement très ouvert. Nous, ce dont on va jauger, c'est la qualité à la fois du texte, de sa structure, de la progression des idées, du caractère persuasif aussi, puisqu'il s'agit de convaincre l'auditoire d'un point de vue. Donc, nous allons jauger du contenu et de la forme pour choisir. Est-ce que vraiment c'est les écoles qui vont s'inscrire ou bien ce sont les élèves qui vont décider, bon, moi, je sens que ce sujet m'intéresse, je vais m'inscrire? Alors, nous, on fait surtout appel aux écoles, mais si maintenant un élève dans une école donnée veut participer, c'est tout à fait ouvert. Maintenant, il faut juste savoir que nous, on limite à 3 candidatures par école. Okay. Par conséquent, ce serait préférable que ce soit vraiment les directions des écoles et les enseignants qui prennent ce projet à bras le corps et ensuite coordonnent aussi le nombre de candidatures. Okay. Et moi, je préconiserais d'en faire véritablement un exercice au sein de la classe, sachant que le délai est relativement court, puisque la date limite d'inscription, d'envoi des textes, est le 12 avril. Donc j'appelle vraiment à une mobilisation des écoles intéressées. Donc, je dirais même que c'est très important que vous donniez immédiatement les processus d'inscription si jamais il y a un directeur ou une école qui écoute maintenant. D'accord. Alors, le plus simple, c'est de se rendre sur notre site Internet où toutes les explications, toutes les modalités d'inscription sont fournies. Alors, vous pourrez facilement accéder à notre site à travers n'importe quel moteur de recherche Internet en tapant « délégation de l'Union européenne ». Sinon, l'adresse en tant que telle pour nous envoyer les textes par email, c'est delegation-haiti@eeas.europa.eu. Je répète une fois, delegation-haiti@eeas.europa.eu. Mais encore une fois, rendez-vous sur notre site qui est www.delhti.ec.europa.eu, mais à travers Google, vous allez trouver facilement. Et là, vous aurez toutes les explications. Mais ce qui est important vraiment à retenir, c'est que effectivement le délai, c'est le 12 avril, que c'est 3 candidatures, 3 textes par école, que ça concerne les élèves de seconde, de rhétorique et de philosophie, et qu'on attend vos contributions. Ah ben non, juste avant de partir, Loulou, et comme tout sujet ou encore toute activité, ça comporte non seulement des problématiques, mais aussi des enjeux théoriques et pratiques. Et est-ce que vous envisagez déjà l'influence ou encore l'impact de ce projet sur les jeunes qui vont prendre part à ce concours? Écoutez, je pense qu'il y a effectivement un impact, il y a un enjeu de réflexion, d'analyse de réflexion. Donc, je pense que ça s'inscrit dans le cadre plus large de l'enseignement. Prendre à bras le corps les questions démocratiques et les questions de droits de l'homme, c'est essentiel dans la formation citoyenne des jeunes qui sont déjà des jeunes adultes et qui sont les adultes de demain, les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est effectivement essentiel dans ce contexte. Je veux juste aussi indiquer, parce que pour tout effort, il faut un réconfort, c'est qu'il y a des prix. Et je pense que nous avons des très beaux prix à proposer, puisqu'il y a un voyage aller-retour qui est prévu pour le premier prix en Europe, plus précisément à Bruxelles, en Belgique, puisque Bruxelles est la capitale de l'Europe, là où sont les principales institutions de l'Union européenne. Donc nous allons inviter cette personne avec une ou un accompagnateur à visiter Bruxelles, visiter les institutions européennes.
Et le deuxième prix est un ordinateur portable. Et le troisième prix sera un bon d'achat pour une librairie. Il n'y a pas limite d'âge, niveau, par exemple, je parle de niveau, est-ce que, par exemple, est-ce qu'une personne ayant, encore un jeune ayant, et déjà des diplômes, ou encore des jeunes seulement au niveau de l'école classique? Alors, il y a effectivement une limite d'âge qui est la limite que ça doit être des élèves qui sont donc soit de seconde, de rhétorique ou de philosophie, pour le système haïtien. Et je peux juste peut-être alors saluer et remercier nos partenaires qui rendent ces prix possibles. Donc il y a Air France, il y a Comp IT et les librairies La Pléiade. Donc j'en profite pour les remercier et pour les saluer. Et donc nous on fait ça en partenariat avec le lycée Alexandre Dumas, mais aussi de façon générale avec les États membres de l'Union européenne qui sont présents ici en Haïti. C'est-à-dire à côté de la France, il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Mais on parlait de semaine de l'Europe et 9 mai, journée de l'Europe en Haïti. Mais est-ce que ces gagnants, les trois gagnants, les trois premiers gagnants vont participer à la semaine de l'Europe avec vous? Alors absolument, merci de me donner l'occasion d'en parler. Ils vont, les prix seront remis lors de la cérémonie officielle qui aura lieu donc effectivement le 9 mai en présence de tous les ambassadeurs de l'Union européenne présents ici et de notre ambassadeur de l'Union européenne, M. Raviani Pérez. Donc il y aura une cérémonie officielle qui aura lieu dans un hôtel de la capitale. Donc effectivement, ils seront présents. Et pour ce qui est de la semaine de l'Europe en tant que telle, nous sommes en train de finaliser le programme d'ensemble, mais il y aura aussi un cycle de projection de films de fiction européens et une exposition photo, notamment, que nous prévoyons. Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques et des relations avec la presse pour la délégation de l'Union européenne en Haïti, que nous avons recevoir comme invité dans Maté Magazine pour aujourd'hui. Raphaël, c'était un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Maté Magazine. Nous espérons que après le concours, même avant la remise des prix, avant et de donner des gagnants, vous viendrez ici pour nous faire part de ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Bonne continuité, nous espérons que ce projet va aboutir là où vous le voudrez. Maté Magazine continue sur la télévision nationale d'Haïti. Et